est en constante. Puis de toute façon, au début, j'ai fait un peu de grime. L'hypothèque Saron est un prêt immobilier dont le taux d'intérêt évolue en fonction des marchés monétaires. Saron signifie Swiss Average Rate Overnight. C'est le taux moyen auquel les banques se sont prêtées de l'argent au cours de la nuit passée. Il est calculé et publié chaque jour ouvré à 18h par Six Group, l'opérateur de la bourse suisse. Il existe plusieurs variantes de l'hypothèque Saron. À la BCN, nous en avons deux, le Saron Rollover et le Saron Term Fix. Le Saron Rollover a une durée indéterminée. Vous pouvez convertir votre hypothèque en taux fixe ou en taux variable à chaque échéance, soit tous les trimestres. La deuxième, le Saron Term Fix, est d'une durée de 3 ou 5 ans. Dans ce cas, vous devez aller au terme de la durée choisie. Et petite subtilité, vous avez également la possibilité de convertir en tout temps votre prêt en un taux fixe, mais pour une durée égale ou supérieure à la durée de contrat Saron qu'il vous reste à honorer. Votre taux hypothécaire Saron est composé de deux éléments. Le premier est le taux Saron, compound 3 mois, c'est-à-dire la moyenne des taux d'intérêt publiés lors du dernier trimestre. À noter que si le résultat est négatif, un taux à 0% est retenu pour le calcul. À ce taux, nous ajoutons un deuxième élément, à savoir la marge de la banque qui est fixée à la conclusion du contrat. Cette marge varie en fonction du type d'hypothèque Saron. La variante term fixe est plus avantageuse vu que vous vous engagez sur une certaine durée. Faut-il privilégier l'hypothèque Saron ou un prêt à taux fixe? La réponse n'est pas si simple. C'est plutôt votre sensibilité au risque qui sera déterminante. Le Saron est en constante évolution et peut être très volatile. Vous pouvez donc avoir des bonnes surprises comme des mauvaises. Le taux appliqué ne vous sera communiqué que 4 jours avant la prise des intérêts. Il est donc indispensable d'avoir des liquidités en réserve. Au final, le mieux n'est-il pas de venir nous rendre visite afin d'en discuter ?